Good morgen. Allez, l'idée de l'étude aujourd'hui, le Nishmat, Machlou Fincha ben Masouda, Nachman Yosef ben Nachum, Avram Chenor ben Fortuné, Mazaldo ben Yudit, Nissan ben Mafred. Si vous souhaitez, vous aussi, d'une prochaine étude de Mishnah, avec la communauté éternelle, nous étudions Masechet Tamid, Perek He, Mishnah, Gimel. Mesarum la Chazanim, Ayum Avshitim Otam et Bigdehem, Velo Ayum Anichim Alehem, Ela Michnasaim Bilvad. Vechalonot Hayu Sham, Vekatuv Alehem, Tashmishei Akelim. Dans la Mishnah précédente, on a évoqué le quatrième tirage au sort, en fait, pour finir toutes les avodot du Beth Amikdash. Pour toutes les avodot du matin. C'est-à-dire, depuis le petit matin, on avait fait de la Tourmata des chaînes. Après, on s'était occupé de faire la Shrita du Korban Tamid. En parallèle, on avait déjà préparé le Mizbeach Hazav et le Mizbeach Haktoret qui était dans le Echal. Et la Menorah. Après, les Kohanim avaient fini le Korban Tamid de faire monter tous les membres sur le Mizbeach, sur la moitié du Kevesh. Après, on avait fait dans la Mishnah précédente, d'abord dans le Mishnah Aleph, ils étaient partis lire Kirat Shema et prier un petit peu dans la Lishkat Hagazit. Et puis après, on avait fait un tirage au sort pour la Ktoret et un tirage au sort pour désigner qui allait avoir le droit de continuer à faire monter les membres sur le Mizbeach. Pour le moment, on ne fait pas encore monter les membres, mais la Mishnah fait une petite parenthèse en me disant attention là maintenant. On avait au début, je sais pas moi, 40 Kohanim qui étaient là, qui avaient tous envie de travailler. Pas tout le monde a été désigné. Eh bien, tous ceux qui n'ont pas été désignés, mais Sarum la Chazanim, on les transmettait au Chazanim. Alors, le Chazanim, là, c'est pas ceux qui chantaient, bien évidemment, mais c'est plutôt les délégués. D'accord? On les transmettait, les Kohanim, qui n'avaient pas eu le droit, qui n'avaient rien eu qui n'avaient pas été désignés pour jouer un rôle quelconque, eh bien on les transmettait aux Chazanim. Ils partaient tous dans une salle, j'imagine que c'était dans le Beth Hamoked, je suppose, je ne l'ai pas vu écrit. Ils partaient au Beth Hamoked pour retirer leurs habits des Kohanim. Pourquoi? Les habits des Kohanim, ils appartiennent au Beth Hamikdash, ils sont Kdoshim, au Bigde Kodeshem. C'est des Bigde Kodeshem, la Torah nous dit plein de fois, les Bigdim, ils ont une Kdusha. Et si on est une on n'a pas le droit de tirer profit pour soi-même. Alors, tant que tu es au Beth Amikdash pour travailler, ou prêt à travailler, tu le portes. Mais dès que c'est fini, tu vas arrêter ton service. Pour le moment, tu ne vas pas retravailler. On n'a peut-être pas besoin de toi aujourd'hui. Va savoir combien il va y avoir de gens qui vont apporter des corbanotes. Ouais, donc pour le moment, tu retires les habits. Donc, les Chazanim prenaient tous les autres Kohanim qui n'avaient pas reçu de fonction. Ils partaient, Hayou Mafshiti Motamed Bigdehem, ils leur retiraient les habits. Et je crois, entre parenthèses, que j'ai dit une petite visite. Je vous dis qu'il partait dans la Beth Hamoked. Je crois qu'il y avait une Lishka spéciale qui s'appelait Lishka Pinchas Amalbish. Il y a une Lishka spéciale parce qu'on se déshabille. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Quand j'ai préparé le cours, je ne l'ai pas vu. Mais bon, à l'occasion, nous aurons l'occasion de le découvrir. Quand on étudiera dans ma Sechet Midot, on évoquera cet endroit-là. Lishka Pinchas Amalbish. En tout cas, il y a Ayumav Shikimotam et Bigdem, on leur retirait leurs habits. Dans un premier temps, on leur laissait qu'avec le pantalon. C'est-à-dire, les Begadim du Kohen. Le partenaire nous le dit à la fin, je vous le dis tout de suite. Les Begadim du Kohen, il y avait 4 habits pour un Kohen Hediot et 8 habits pour le Kohen Gadol. Les 4 du Kohen Hediot, le Kohen simple, c'est Michnasaim, Ktonet, Avnet et Migbaat ou Mitznefet qui est appelé dans la Mishnah. J'explique. Michnasaim, c'est le pantalon. La culotte, mais en fait, c'était des grands caleçons, jusqu'en bas, c'est le Michnasaim. La Ktonet, la tunique. Le Avnet, c'était la ceinture. Et à part ça, ils avaient un chapeau. D'accord? Il y avait quatre vêtements. Dans l'ordre d'habillement, d'abord le pantalon. Michnaseba, Yuol Bessaro, la Torah, elle nous dit, il faut d'abord mettre le Michnasaim, d'abord en premier habit. Après, on mettait bien évidemment la tunique. Après, on mettait la chagora, le avnet, qui était la ceinture, et puis après, on mettait le chapeau. Et du coup, pour leur retirer leurs habits, eh bien, les Kohanim, les délégués, veillaient, ils les déshabillaient, je suppose qu'ils s'occupaient de récupérer les habits, chacun pouvait retirer tout seul son vêtement, j'imagine, je sais pas, c'est pas précisé non plus. Et en tout cas, donc, les Kohanim, les délégués récupéraient les vêtements, et ils les laissaient juste avec le pantalon, le temps qu'ils mettent leur tunique de chol, leur tunique de personnel, d'habits profanes, et
Et après, il retirait aussi le pantalon, il mettait le pantalon, et puis comme ça, il les transmettait. Vechalonot hayusham. Et là-bas, il y avait des fenêtres. En fait, des fenêtres, c'était des trous dans les murs, c'était fréquent dans les murs anciens qui étaient très épais. Il y avait, les murs n'étaient pas remplis de partout. Il y avait il y avait plusieurs sortes de trous, de renforts comme ça, où là-bas, on utilisait pour faire des sortes des étagères, des meubles encastrés, en fait, c'est le même principe. Et donc, Vechalonot hayusham, là-bas, il y avait ces fenêtres-là. Il y avait écrit là-bas les tashmishei akelim, les types de vêtements qui étaient nécessaires. C'est-à-dire, il y avait une pile où il y avait marqué Migbaot, une pile où il y avait marqué au-dessus, une fenêtre où il y avait écrit Migbaot pour les chapeaux, les mitznefet, une fenêtre où il y avait écrit pour les ktonettes. Chaque coin, en fait, on récupérait, on le pliait, on le mettait tous en ordre. Il y avait les chapeaux d'un côté, les tuniques de l'autre, les avenettes et les pantalons qui étaient de l'autre. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Sacha Goldo, vous savez.